Hop, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro, donc je recommence. Bonsoir à tous et toutes. Donc bienvenue pour cette deuxième soirée attaque de la deuxième saison de nos débats confinés, qu'on va poursuivre tout au long de l'année. On a déjà un programme bien rempli qu'on vous, sur lequel on vous informera tout au long des semaines et des mois à venir. Ce soir, on attaque la deuxième session d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et pas seulement à nous, bien entendu, à Attac, c'est la question des relocalisations. Alors c'est un thème qu'on a souvent traité, qui parcourt les débats de l'altermondialisme depuis très longtemps, mais qui a pris une espèce d'actualité politique et médiatique pendant le premier confinement, puisqu'on a eu plein de débats, de prises de position, de déclarations, la main sur le cœur, selon lesquelles il fallait relocaliser une partie de l'économie en France. Mais en fait, c'est des débats qui ont même quelques années, hein, puisque déjà après la crise de 2008, on avait eu cet élan, avec notamment toute une série de questionnements sur le Made in France, sur le fait qu'il fallait produire plus local, etc., etc. Discours qui se traduisent rarement dans les faits, mais qui nous semble intéressant à la fois de travailler, mais aussi souvent auquel il faut répondre, hein, puisque c'est beaucoup de discours de faux-semblants, hein, en général, ils sont tenus par des tenants de la mondialisation néolibérale ou par des gens qui sont sur une forme de protectionnisme réactionnaire. Et du coup, on a déjà produit un certain nombre de choses à ce sujet. Donc, dès le mois de juin, un petit livre qui s'appelle « Ce qui dépend de nous », un manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire. On a aussi publié au cœur de l'été un numéro de la revue Les Possibles sur les transformations sur la façon d'envisager les transformations du système productif. Et puis donc on a fait une première séance de discussion il y a 2 semaines avec qui était vraiment sous un angle économiste et sur la question des liens entre la lutte contre les délocalisations et les relocalisations dans un contexte de mondialisation. Qu'est-ce qu'il était possible? Quels étaient les freins à la mondialisation? Et on va sortir une note normalement au mois de janvier un peu sur ces questions-là. Alors, il nous a semblé important de prolonger la discussion en abordant la question des relocalisations sous d'autres angles, parce que effectivement, c'est un enjeu, bon, ou un débat d'économiste ou économique, mais au-delà de ça, c'est surtout une question sur la façon dont des dynamiques politiques locales, mais aussi transnationales, peuvent justement proposer des alternatives qu'on peut ranger sous l'égide d'un objectif d'une relocalisation écologique et solidaire. Alors bien sûr, ce mot d'ordre, il est très très vaste, mais il touche différemment la question industrielle, la question agricole. Bon, c'est des choses qu'on va essayer de discuter ce soir. Et il touche aussi la question des solidarités Nord-Sud, parce qu'effectivement, pour un mouvement comme Attac ou d'autres mouvements sociaux qui nous sont proches, il n'est pas question de défendre une forme de relocalisation qui soit un repli sur soi, mais bien au contraire, des relocalisations qui puissent être ouvertes vers les coopérations, vers les solidarités avec les peuples du Sud. Et on sait que, bien sûr, ces enjeux-là sont essentiels, mais toujours, toujours difficiles à mener. Donc, pour travailler ces questions-là ce soir, on a trois invités. On est très, très contents de les avoir parmi nous. Donc la première, ils pourront se présenter un peu plus en détail s'ils le souhaitent, hein, Florence Palpacuère, qui a travaillé sur la question des mouvements de résistance et des mouvements sociaux dans les filières de production mondialisées. Ensuite, on écoutera Nicolas Giraud, donc, qui est porte-parole de la Confédération paysanne. Et bien sûr, hein, c'est une question centrale aujourd'hui de à la fois défendre une certaine paysannerie, une certaine agriculture, mais aussi de proposer des alternatives en la matière. Et puis donc Hélène Rio qui nous parlera plus des questions de coopérative et de la façon dont des propositions et des dynamiques industrielles
pose la question de qui décide, qu'est-ce qui fait que, en gros, on décide de produire telle ou telle chose à tel ou tel endroit, sous quelle forme on le fait, à partir de quelle organisation du travail. Et donc ça, on va essayer de discuter de ça ce soir pour voir à la fois quelles sont les dynamiques militantes, politiques nécessaires pour justement faire des relocalisations, pas seulement une espèce de mot d'ordre un peu général ou d'alternative marginale, mais au contraire, une montée en puissance, une façon de reprendre un certain pouvoir dans les territoires à travers des mouvements sociaux, à travers des mouvements de salariés, à travers des mouvements paysans, mais aussi voir bien sûr quels sont les obstacles aujourd'hui à de telles dynamiques. Donc pour commencer, je vais passer la parole à Florence, hein, qui va d'abord essayer de nous parler, de situer un peu un certain nombre de questions, qui va faire le lien aussi avec la séance précédente, hein, sur la façon dont la question de ces alternatives qu'on essaye de défendre touche à la question des filières mondialisées, des mouvements sociaux et des formes de solidarité qu'on peut inventer. Je te laisse la parole, Florence. Merci. Donc, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Non, ça va? Moi, je m'entends avec de l'écho. Ça, c'est un peu embêtant. Alors, c'est pas ça. Ben, je suis très contente de faire partie de ce débat, de cette discussion qui va nous permettre de croiser des regards et des perspectives. Et je vais, dans ce que je vais développer dans mon propos, je vais essayer de souligner cette idée qu'aujourd'hui, on a des conditions de plus en plus qui émergent pour croiser des approches militantes qui se sont développées jusqu'à présent dans des problématiques un peu parallèles, c'est-à-dire les mouvements de résistance qui ont émergé à l'intérieur des filières mondialisées de production, sur lesquelles moi j'ai essentiellement travaillé, et puis d'autres mouvements qui se sont plutôt organisés, y compris à l'échelle internationale, mais sur la construction des alternatives, donc comment on construit une autre économie plus ancrée dans les territoires, alors que moi, les mouvements sur lesquels j'ai travaillé, c'est plus ceux qui ont cherché à réhumaniser le fonctionnement des filières mondialisées de production. C'est des mouvements essentiellement qui ont émergé à partir des années 90. En réponse au déploiement de ces filières mondialisées qui ont commencé à se déployer dans les années 80, et pour rendre visible et dénoncer les problématiques sociales et environnementales de ce qui se passait en bout de chaîne, donc là où se situait la production, sur des enjeux liés aux industries extractives qui ont massivement migré du nord vers le sud à partir des années 80, surtout les enjeux de conditions de travail dans l'industrie. Tout ce qui est fabrication industrielle qui a migré aussi, et puis aussi toutes les problématiques autour dans les filières agricoles, avec des enjeux de mode de production peu soutenable, de destruction environnementale et de violation quasi systémique des droits humains fondamentaux dans les conditions de travail dans ces filières. Donc mon propos, ça va être de dire, bon, qu'est-ce que ces mouvements, comment ils se sont organisés, qu'est-ce qu'ils ont cherché à obtenir? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on aurait des conditions intéressantes de convergence entre ces mouvements qui se sont attaqués donc aux grandes multinationales et puis les autres qui essayent plutôt de construire à côté. Donc la genèse, en fait, de ces mouvements de résistance transnationaux, alors moi j'appelle ça beaucoup les chaînes globales de valeur, donc excusez-moi, des formations professionnelles. C'est un autre terme pour filière mondialisée, mais c'est un courant de recherche où on a vraiment regardé de manière fine comment les entreprises réorganisaient toutes les activités de leur chaîne de valeur à l'échelle transnationale et aussi par la sous-traitance ou tout un tas de moyens de faire travailler d'autres entreprises pour elles dans leur chaîne d'approvisionnement. Ces chaînes commencent à se déployer dans les années 80 et il y a des mouvements de la société civile qui étaient déjà en contact sur des luttes féministes ou pour des actions de développement qui pouvaient impliquer aussi des mouvements soutenus par des églises et puis ou aussi des connexions entre mouvements syndicaux, bien sûr, du nord et du sud. Donc il y avait déjà des liens entre ces organisations de la société civile et l'information a commencé à passer entre sud et nord
pour dire en fait, il se passe dans les pays du Sud aujourd'hui le déploiement d'une production dont les conditions au plan au départ c'est essentiellement les conditions sociales qui sont sorties sont très problématiques et de donc une demande des mouvements au Sud vis-à-vis de leurs partenaires du Nord en disant si vous voulez voilà, pour nous aider à lutter contre ces nouvelles formes de domination et d'exploitation qu'on est en train de constater dans nos pays, aller questionner les multinationales en tête de chaîne, en fait, les grands donneurs d'ordre, les sièges sociaux des multinationales qui pilotent en fait ces systèmes de production qui ont été délocalisés. Donc, c'est l'information a recirculé et le but de ces mouvements, ça a été de reconstruire une chaîne de responsabilité. D'aller questionner, et c'est l'émergence de nouveaux mouvements sociaux qui vont se tourner vers les entreprises, alors que traditionnellement, la contestation sociale, elle se tourne vers les États. Et là, donc ces chaînes transnationales de résistance vont aller confronter les grandes multinationales, les grandes marques, pour établir des systèmes de responsabilité sur les conditions. Et ça s'est développé, au départ, c'était sur les conditions de travail dans l'habillement, beaucoup, puis ça s'est petit à petit, au fil des décennies, développé sur d'autres secteurs, les jouets, l'électronique, les industries extractives, et aussi sur d'autres thématiques comme celle de l'environnement, au-delà des conditions de travail. Et en fait, la réponse des entreprises a été assez inattendue pour ces mouvements. C'est-à-dire qu'elles ont répondu par une stratégie spécifique de développer tout un discours en termes de responsabilité sociale d'entreprise, en termes de prise en charge éthique des enjeux socio-environnementaux. Elles étaient attaquées sur l'image et elles ont répondu par l'image aussi avec tout un tas de labels, d'initiatives, de chartes qui étaient déconnectées en fait de leur façon de continuer de mener leur système de production et de marketing, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle un découplage entre un discours éthique d'un côté, des signaux éthiques envoyés au marché, et un système de production qui continuait à fonctionner dans des conditions toujours aussi destructrices au plan social et environnemental. Et c'est à partir de là qu'on a une transformation, en fait, des stratégies de ces mouvements sociaux qui vont aller dans deux directions. D'une part, se retourner vers les États pour essayer d'obtenir une régulation contraignante face aux limites des initiatives volontaires des entreprises, avec des initiatives comme la loi sur le devoir de vigilance des multinationales en France, qui a été votée en 2017 et qui est un peu des figures de proue en matière de régulation sur ces questions au niveau international, avec des enjeux d'obtenir des lois similaires dans d'autres pays en Europe et au niveau européen. Donc, j'y reviendrai aussi avec tout un mouvement pour obtenir un traité contraignant au niveau des Nations Unies sur les multinationales. Et par ailleurs, une réflexion, une contre-attaque sur il faut que ces grandes entreprises transforment leurs pratiques d'achat, leurs pratiques d'approvisionnement, c'est les prix, les délais, les spécifications de produits qui ont un impact massif sur les conditions de travail au Sud. Et pas juste donc des beaux discours RSE, mais aussi une transformation des modes d'approvisionnement et des modes de production. Et là, il y a eu tout un travail d'appropriation au sein de ces mouvements sociaux, d'une compréhension du fonctionnement de ces grandes entreprises, qui a amené, avec une réflexion plus large, se dire en fait, on ne pourra pas obtenir de changements sur les modes de production s'il n'y a pas des changements aussi sur les modes de consommation qui vont avec. Par exemple, les fonctionnements autour de la mode jetable dans le vêtement. Et sur la gouvernance de ces grandes entreprises qui aujourd'hui pilotaient du point de vue des marchés financiers avec des objectifs de rendement financier à court terme qui restent prépondérants. Et donc une réflexion plus large en termes de ce qu'on appelle dans notre jargon de business model, quoi, pour questionner plus largement le fonctionnement de ces chaînes globales de valeur. Et ces deux éléments de se retourner à nouveau vers les États et puis d'avoir cette prise de conscience en fait des enjeux un peu systémiques qu'il peut y avoir sur ce système de production, ça amène en fait à revisiter, à mettre en perspective un choix stratégique très fort qui a été fait dans ces réseaux de résistance dès le départ en fait de protéger en fait, de chercher à améliorer les conditions de travail au Sud, mais en gardant les emplois au Sud. C'est-à-dire une fois qu'il y a des familles entières, des populations entières qui dépendent de ce travail de production au Sud,
ces réseaux transnationaux fonctionnaient sur l'idée que ce qu'on cherche, c'est améliorer les conditions au sud. Et que si on lève le niveau général, en montant le niveau au sud, on protégera aussi les acquis sociaux au nord, de cette manière-là. Mais donc, il y a un choix qui a été très fort sur certaines de ces organisations de dire, on n'ira pas sur des appels au boycott et on n'ira pas sur le protectionnisme non plus. Et ça, en fait, ça a créé des... le fait, alors non pas de, je dis pas qu'aujourd'hui il y a une tendance à remettre en cause ce choix-là, mais au moins à le mettre en perspective et à le réfléchir au regard des enjeux systémiques plus larges qui se posent, quoi. Et bon, derrière, il y a des, enfin, je pense que ça peut contribuer à renforcer les alliances entre les syndicats au nord et puis les ONG qui se sont positionnées sur ces filières, parce que pour les syndicats au nord, c'était assez compliqué d'être surtout en position de perte de dans un rapport de pouvoir défavorable avec les entreprises. Il y a un enjeu de rassembler, de recentrer les ressources sur la défense d'acquis qu'on a de plus en plus de mal à défendre, et donc moins de ressources disponibles pour travailler sur une perspective plus internationaliste. Et donc ça, il y a des choses qui peuvent bouger si on reconsidère un peu les choix stratégiques qui sont faits au niveau des réseaux. Et il y a un autre type d'alliance qui peut aussi être amené à être reconsidéré, c'est les alliances entre ONG du Nord et du Sud. Parce que là, en fait, au Sud, il y a aussi des mouvements sociaux qui sont critiques sur ces chaînes globales de valeur, qui prônent d'autres formes de développement pour les économies de ces pays. Et ceux-là, ils n'ont pas vraiment trouvé leur place pour l'instant dans ces mouvements transnationaux. Et donc, il y a aussi des points de vue critiques du Sud pour dire, bon, comment ces mouvements de résistance font aussi de la place pour des mouvements du Sud qui prônent d'autres formes de développement. Donc, on est un peu à la croisée des chemins, et aujourd'hui, il y a tout un travail d'ouverture pour croiser les approches qui est en train de se passer, comparer les stratégies entre les secteurs et commencer à rapprocher les mouvements donc, qui sont sur ces chaînes globales de valeur avec des mouvements qui sont plus ancrés sur le développement des territoires. Et on voit ça émerger. Par exemple, il y a un collectif qui s'est monté en France et en Angleterre qui s'appelle Repenser les filières, dont je donnerai le lien à la fin. Vers leur site internet avec pas mal de ressources. On se dit ben, comment on peut coupler ces deux luttes et finalement se renforcer mutuellement pour les mouvements qui sont dans ces stratégies transnationales, de faire des alliances, de se rapprocher des mouvements qui sont sur la promotion d'une autre économie. C'est aussi ouvrir les possibilités d'action et échapper en fait à ces techniques par lesquelles les grandes entreprises systématiquement réabsorbent les critiques sociales et finalement ils répondent en coinçant ces mouvements sociaux dans le modèle dont aujourd'hui on se rend compte qu'on a besoin de sortir. Voilà, donc il y a de plus en plus, je pense que je reviendrai dans le débat, d'espace où on voit ces deux types de mouvements commencer à travailler ensemble. Et pour terminer, je dirais, je pointerai juste deux idées. Une qui est qu'il y a aussi un mouvement, une problématique sur la relocalisation qui est en train d'émerger, mais plus au sud, du point de vue de relocalisation de la consommation. Par exemple, dans la production de la filière banane, elle alimente énormément aussi les marchés locaux. Et donc, il y a aussi des effets miroirs de réflexion pour relocaliser ces chaînes globales de valeur, mais comment faire en sorte qu'en fait la production au sud, elle réponde aux besoins aussi de consommation au sud. Et puis, je pense qu'il y a un gros enjeu, et ça fera peut-être le lien avec des choses dont Hélène va parler ensuite, de connecter ces mouvements avec d'autres mouvements en France qui ont été les mouvements de résistance aux fermetures d'usines et aux délocalisations. Et je pense en particulier au cas où il y a une capacité pour les salariés de reprendre en fait leur usine sous forme de SCOP. Comme on a vu dans la région là, Occitanie, on a plusieurs jolis exemples de ce type de stratégie. Et là, il y a aussi tout un enjeu de comment accompagner le redéploiement de ces usines qui vont maintenant être autogérées et avoir besoin de s'inscrire dans des filières de commercialisation autour du bio, par exemple, ou du commerce équitable, qui historiquement ne se sont pas construites en lien avec ces mouvements salariés de résistance. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je crains d'avoir été trop longue, mais j'espère que non.
Non, non, c'est très bien. C'est très bien et je pense que ça, c'est tout à fait opportun de poser ces questions-là et aussi de les poser sur les questions de l'agriculture dont va nous parler Nicolas parce que à la fois on est tu es porte-parole d'un syndicat paysan qui défend une question de souveraineté alimentaire et en même temps un syndicat qui est inscrit internationalement dans des mouvements de résistance paysanne. Et du coup, des fois, on peut effectivement, est-ce que, quelle complémentarité on a entre ces deux dimensions, le côté local, national et les formes de solidarité internationale? Et je pense que c'est là aussi une question d'importance, donc je te laisse la Merci, parole. merci Vincent, merci Attac pour l'invitation pour ce débat. Donc moi je suis paysan dans le Jura, je suis éleveur de vaches laitières, je produis du lait pour le comté et donc je suis aussi porte-parole de la Confédération paysanne. Et donc de fait la relocalisation à la Confédération paysanne c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur lequel on communique depuis pas mal de temps, qu'on met en place également au travers de notre projet d'agriculture paysanne, au travers des travaux qu'on peut faire à l'international avec la Via Campesina autour de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire qui a été beaucoup abordée pendant ces mois de confinement, beaucoup aussi dénaturée par les différents propos. On a entendu parler de souveraineté alimentaire solidaire, de souveraineté agroalimentaire, etc. Enfin, la souveraineté alimentaire, comme nous, on la conçoit, comme elle a été validée par la FAO, c'est le droit des peuples à mettre en place des politiques agricoles et alimentaires à même de répondre aux enjeux d'alimentation des populations. Donc de fait, forcément que la relocalisation fait pleinement partie de cet enjeu-là, comme fait pleinement partie l'enjeu international et l'enjeu des luttes. Juste pour recontextualiser sur le premier confinement, quand on a aussi beaucoup parlé on nous a aussi beaucoup parlé de relocalisation, on a eu des soucis, pas d'accès à l'alimentation, même s'il y a eu une montée de la précarité alimentaire, mais on a pu, pour ceux qui étaient un peu moins, j'allais dire au point sur le monde agricole, il y a eu, on a vu, on a pu toucher du doigt certaines limites du système actuel. C'est-à-dire que on a vu que on avait des problèmes d'accès à de la farine en petits sachets parce que on n'avait plus forcément la capacité à transformer et à ensacher la farine produite en France. Donc on sait la produire, mais on savait pas forcément la transformer et la distribuer. On a touché du doigt le problème des importations parce qu'on s'est rendu compte qu'on importait 50% de notre production ovine, 50% de nos fruits et légumes, alors qu'on est capable de les produire chez nous. Donc pourquoi on en est là et comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et puis il y a aussi eu tout le problème mis en évidence avec la fermeture des frontières de ne plus avoir ces travailleurs précarisés qui arrivaient notamment d'Europe de l'Est qui venaient travailler dans les champs d'asperges ou de fraises pour récolter. Donc tout ça pour nous ça a mis en évidence clairement les limites du système actuel et ça a mis en évidence la nécessité de travailler à cette relocalisation pour arriver à produire, à transformer et à distribuer au plus près des populations, au plus près des besoins. Donc ça ne veut pas dire seulement produire, mais ça veut dire également pour nous transformer et distribuer. Et on est très attaché à ça dans le sens où on essaie de travailler cet enjeu de la relocalisation, pas nous tout seuls dans notre coin, mais également notamment avec les syndicats de salariés de l'industrie agroalimentaire. Comment est-ce que une agriculture relocalisée pourrait impacter l'agroalimentaire et comment elle l'impacterait positivement. Moi, juste, j'ai un exemple en tête, c'est le lait. Quand moi, producteur de lait à compter dans le Jura, on a 2 ou 3 fois plus d'emplois dans la transformation laitière que sur un système industriel de type de ce qui se pratique aux Pays-Bas ou même plus près chez nous sur la filière agro-industrielle bretonne.
Donc, ça veut dire que des schémas de production ont un impact positif sur les schémas de transformation et également sur les schémas de distribution. Donc, pour nous, cette relocalisation, déjà, ça veut dire et ça nécessite aussi de sortir du schéma actuel de globalisation, de mondialisation, au travers de notamment des accords de libre-échange qui se multiplient. Accords de libre-échange néfastes pour les travailleurs, les paysans, mais pas que, l'ensemble des travailleurs sur la planète, néfastes pour le climat, forcément, et néfastes également... parce qu'il induit en termes de course au volume et de course au moins cher. C'est-à-dire que c'est au travers de ces échanges-là, c'est le pays, le groupe de pays ou l'industrie qui sera capable le mieux et le plus efficacement de s'asseoir sur les droits sociaux, sur les droits environnementaux, sa manière de produire, etc. Donc tout ça pour nous, il faut absolument le remettre en cause et cette crise-là met ça en pleine lumière et également sortir de ce schéma d'accord de libre-échange parce que pour nous, il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens pour les paysans parce que être paysan et produire un minerai, comme certains l'appellent, qui va être transformé par l'agroalimentaire et distribué au travers de la planète, ça n'a pas du tout le même sens que de produire un comté où on sait à peu près où il va être transformé, où il va être affiné, on pourrait presque savoir où il va être consommé avec nos petites fruitières, etc. Donc ce sens-là, ce sens du monde paysan, il est important et il est primordial. Et également perte de sens, il me semble, du côté des consommateurs avec un lien au local qui est perdu, qui s'est étiolé. Un lien à la saisonnalité des produits alimentaires qui est aussi beaucoup oublié de par cette mondialisation-là. Et on a vu que pendant ce confinement, pendant le premier confinement notamment, un petit peu moins sur celui-là vu que l'économie est moins violemment arrêtée, mais il y a eu un afflux important de consommateurs sur une production alimentaire locale à laquelle on n'a pas forcément su répondre facilement. Parce que on n'est pas encore suffisamment bien implanté sur ce choix-là en termes de production, de transformation et de distribution. Donc clairement pour nous c'est un enjeu hyper fort pour le monde paysan. C'est un outil pour servir la souveraineté alimentaire ici et ailleurs. C'est pas une volonté de relocalisation idiote et de repli sur soi. C'est bien une volonté de souveraineté alimentaire ici et partout sur la planète. Et pour ça, clairement, voilà, il y a une nécessité de politique agricole, commerciale, économique, de rupture pour servir cet objet de la relocalisation. Si on n'a pas ces politiques agricoles de rupture, on va continuer dans la dualité de l'agriculture et de l'alimentation avec d'un côté, une agriculture de niche, ceux qui font le choix de produire, être transformé, être distribué sur la ferme, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça nécessite du temps, ça nécessite des compétences, ça nécessite d'avoir autour de soi un tissu de consommateurs suffisamment important. Et ça ne sert, j'allais dire, que une partie éclairée de la population et des consommateurs, soit éclairée, j'allais dire financièrement, parce qu'elle a les moyens de se payer cette relocalisation et de se payer cette alimentation de qualité, ou éclairée intellectuellement avec la volonté de se dire oui, c'est important d'avoir une alimentation relocalisée qui fait sens pour moi, qui fait sens pour mon territoire, qui fait sens pour le climat, etc. Et il nous semble que si on n'a pas des politiques de rupture, on va continuer dans ce sens-là, avec une agriculture qui s'industrialise, qui s'intensifie, qui va servir la grande distribution, qui va servir les marchés mondialisés, et une agriculture bio, paysanne, de niche, sous signe de qualité, qui servira des consommateurs avertis. Et donc, pour nous, on veut pas en arriver là. Si on veut penser et mettre en place une relocalisation qui se généralise et qui sert la majorité, voire la totalité des consommateurs, pour nous, ça nécessite deux leviers majeurs. Le premier, c'est d'installer massivement des paysannes et des paysans, parce que la relocalisation, elle va de pair avec une qualité de la production. Donc, ça veut dire une transition agricole, sortir du schéma industriel
Et pour sortir de ce schéma-là, il faut des bras, il faut des têtes et des cerveaux paysans pour mettre en place, remettre en place des circuits de production, remettre en place une agriculture autonome et économe qui sera à même de répondre à cet enjeu-là, qui sera à même à sortir des pesticides, qui sera à même à répondre à la volonté d'une alimentation de qualité. Et il faudra aussi arriver collectivement ou individuellement à imaginer les circuits de transformation et de distribution alternatifs pour servir cette relocalisation. Tout ne passera pas par ces circuits-là, mais il va falloir les imaginer, soit avec ce qui se fait actuellement sur des fermes en circuit court, soit avec ce qui se fait avec de la coopération qui reprend en main la transformation, qui peut reprendre en main également la distribution. Et enfin, je crois qu'il y a vraiment des choses à creuser de ce côté-là, avec une coopération qui peut aussi s'élargir, pas seulement au monde paysan, mais aux consommateurs, aux citoyens. Donc, installer massivement pour servir ce projet de relocalisation. Et le deuxième levier, c'est un levier de protection. Protéger les paysannes et les paysans, protéger leurs revenus, protéger leur avenir et leur permettre d'effectuer cette transition. Parce que tant qu'on n'a pas un revenu sécurisé et une vision qui nous permet d'être un peu stable sur la ferme, c'est encore plus difficile d'envisager les transitions. Donc cette protection-là, pour nous, elle passe par plusieurs leviers. J'ai parlé des accords de libre-échange. Bah, c'est clairement sortir de cette logique des accords de libre-échange, de cette course au toujours plus, de cette concurrence effrénée autour de la guerre des prix. C'est retrouver des outils de régulation et de maîtrise des volumes, comme on a pu avoir sur le sucre, comme on a pu avoir sur le lait, qui nous permettent de gérer les crises en amont, de les prévenir plutôt que de les gérer a posteriori et de les gérer avec souvent le nombre de producteurs, c'est-à-dire qu'on régule les volumes avec le nombre de producteurs et de productrices qui vont disparaître à chaque crise. Nous, on voit beaucoup plus forcément une régulation en amont qui permette de définir un prix pour un volume. Ensuite, c'est également un arbitrage public des relations commerciales. C'est ce qu'on avait porté dans la dernière loi agriculture et alimentation qui est sortie des états généraux de l'alimentation. C'est une reprise en main du politique sur l'économique. Ne plus laisser seul l'économique, les grandes multinationales et la grande distribution gérer la répartition de valeur, et que le maillon le plus faible dans ce rapport de force qui est le maillon paysan soit à chaque fois le maillon sur lequel on s'assoit. Donc stopper cette prédation de la valeur paysanne par les différents maillons qui viennent spolier cette valeur-là. Et une autre mesure également, pour le coup, à imaginer en intra-européenne, parce que la concurrence est aussi en intra-européenne, c'est une mesure qu'on porte notamment sur la production de fruits et légumes. C'est ce qu'on appelle des prix minimums d'entrée sur le marché intérieur européen, c'est-à-dire ne pas accepter que des fruits et des légumes puissent rentrer en France en dessous de nos coûts de production qu'on est capable de mettre en place ici sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, si on prend l'exemple de l'Espagne ou des Pays-Bas, c'est des attaques concurrentielles violentes à coup de pesticides qui sont pas autorisés chez nous, mais surtout à coup de recours à des travailleurs saisonniers, migrants, voire esclaves dans les grandes serres du sud de l'Espagne, qui leur permettent d'inonder le marché des fruits, notamment français, avec des prix sur lesquels personne en France ne peut s'aligner. Donc petit à petit, la production de fruits et légumes disparaît, et dans le même temps, elle est incapable de mettre en place et de réfléchir à une transition de ces modes de production. Donc ces prix minimum d'entrée, c'est une mesure de protection pour arriver à permettre, un, le maintien des producteurs de fruits et légumes en France, à leur donner la possibilité d'évoluer sur leur mode de production, de passer en bio, de passer en agriculture paysanne, de se passer des pesticides, etc. Et pour être capable de maintenir cette production localement pour avancer sur cette relocalisation.
Donc voilà, nous, un peu les mesures qu'on défend au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, avec la Confédération paysanne, avec la Via Campesina, avec d'autres également, on peut citer les collectifs Stop TAFTA ou Stop CETA, où ATTAC est largement impliqué, et également au sein du collectif Plus Jamais Ça, avec lequel on travaille depuis avant le confinement, avec des organisations syndicales et des organisations environnementales, pour arriver vraiment à marcher sur nos deux pieds, le pied social et le pied écologique, pour arriver à servir cette transition et cette relocalisation agricole et alimentaire. Merci, merci Nicolas. Donc là, on voit effectivement l'ampleur des enjeux. Hein, et un des enjeux que tu as dessiné, c'est effectivement le rapport entre le moment de la production et le moment de la distribution, et du coup, la façon dont tout ça travaille à former et à transformer les territoires. Et je crois que c'est aussi une question qu'on retrouve sur les enjeux industriels. Et c'est ce dont Hélène va nous parler aussi autour de d'autres types d'expériences ou d'autres types de pratiques que les questions agricoles et paysannes. Parce qu'on a vu aussi autour du matériel de santé lors du premier confinement à quel point on était un peu démunis hein, au niveau de certains territoires pour la production de certains biens, un peu comme effectivement le premier confinement avait mis, comme tu l'as dit, en lumière des limites hein, du système agricole mondialisé. Et donc il y a eu des réponses à ce phénomène-là, et donc dont Hélène va en partie nous parler. Je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Vincent, merci Elodie, merci ATTAC de leur invitation, merci beaucoup aussi à Florence et Nicolas, je suis très en écho avec ce que vous dites, puisque je travaille sur les mouvements coopératifs et en fait sur les vraies fausses coopératives, à savoir, comme le disait un peu Nicolas, faut-il réellement considérer les centres Leclerc ou Intermarché comme des coopératives, même s'ils en portent le nom? Est-ce qu'il n'y a pas des principes coopératifs fondamentaux à rappeler, notamment ceux qui sont mentionnés par la charte de l'Organisation internationale du travail? Donc là, ce dont moi j'aimerais vous reparler, c'est des alliances qui sont possibles entre différents secteurs d'activité sur un même territoire, qu'il s'agisse de coopératives de producteurs dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres domaines comme les mutuelles ou les assurances, et où en fait on se rend compte que même pour l'agriculture, pour n'importe quelles activités, c'est important d'avoir des liens avec d'autres secteurs, notamment sur un même territoire. Donc ça nous invite à repenser l'histoire du capitalisme et à nous appuyer dessus, évidemment. Il s'agit d'histoires de questions d'économie politique qui sont vraiment absolument essentielles à un moment où on est quand même confronté à de grandes incertitudes liées au changement climatique. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'un côté, on a un modèle justement face à ce changement climatique ou à des pandémies, des zoonoses comme la COVID-19, des approches plutôt néocorporatistes, c'est-à-dire qu'il y a une alliance objective entre les États et les grandes entreprises. On va négocier en fait un changement qu'on va espérer gagnant-gagnant et on fait du toujours plus de la même chose. Ou au contraire, on va avoir ce qui me semble des mouvements sociaux qui vont porter des acteurs plus radicaux dans leur approche du changement et qui vont essayer de s'appuyer sur des mouvements d'éducation populaire de façon à aider toutes les personnes, le plus de personnes possible en fait, à s'engager dans un changement en étant en quelque sorte sécurisées à la fois parce qu'elles comprennent ce qui leur arrive, elles peuvent prendre des décisions de manière autonome et aussi sécurisées parce que les risques sont assumés en commun. Voilà, donc c'est à ce moment-là que les mouvements sociaux peuvent orchestrer de vrais débats sans promettre qu'il va y avoir que des solutions gagnantes. Il va probablement falloir prendre des décisions difficiles, par exemple de consommer moins,
mais en contrepartie, obtenir des bénéfices. C'est ça une vraie stratégie, il me semble. Donc, j'avais envie de m'appuyer en effet sur des initiatives du passé pour parler d'une initiative qui m'enthousiasme beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle la COP de masques. Et je voudrais en parler. Moi, je suis enseignant-chercheur, mais là, je prends ma casquette de coopératrice puisque je fais partie de cette coopérative dont je vais vous raconter l'histoire. Mais avant, je voudrais montrer à quel point les mouvements sociaux peuvent avoir un rôle pour porter des mouvements coopératifs et les aider à se diffuser. J'ai un premier exemple, c'est le modèle de là d'où je viens et où est située la COP de masques actuellement. C'est la Cornouaille, le centre Bretagne, la Cornouaille dite rouge, où a agi dans les années 20 et 30, puis ensuite, hein, jusque dans les années 50, François Tanguy Prigent, qui a été un dirigeant en Centre-Bretagne, qui s'est battu pour dépasser l'individualisme des paysans et combattre le corporatisme qui était véhiculé depuis le 19e siècle par des syndicats agricoles conservateurs, notamment l'Office central de Landerneau, qui était un syndicat boutique fondé en 1911, héritier des grands propriétaires fonciers anti-républicains, dont Hervé Budel de Guébriand. Donc voilà, quand François Tanguy Prigent a lancé son initiative portée par des coopératives et essayant de redonner de l'autonomie aux petits paysans, justement aux petits paysans pauvres, en s'appuyant sur leurs alliances, en fait, un exploitant finistérien sur trois était landerniste, c'est-à-dire qu'il était tenu par ce syndicat de Landerneau et il a mené une lutte absolument farouche contre les associations agricoles à la tête desquelles on trouvait toujours ces fameux grands obrotériens, des industriels et des spéculateurs, avec une logique qu'on pourrait dire aujourd'hui latifundière, qui est extrêmement présente encore aujourd'hui au moment où on voit des mouvements dits en anglais de land grabbing, où on voit des spéculations énormes pour acheter des terres là où elles ne sont pas chères et du coup faire de l'agro-industrie à un niveau intensif. Et donc, à cette époque déjà, François Tanguy Prigent a réussi, en devenant membre de la Confédération nationale paysanne, la CNP, qui avait été fondée dans la Creuse et le centre de la France. Et ensuite, il a réclamé l'unité paysanne avec une approche coopérative et socialiste qui a poussé, et ça a failli aboutir, en tout cas dans les années, au moment du Front populaire, qui a poussé pour une loi agraire, ce qu'il faudrait évidemment faire aujourd'hui. On pourrait s'inspirer de cet exemple. En héritier de Jaurès, notamment, il s'est opposé aux expulsions et aux ventes saisies. On pourrait aujourd'hui s'opposer à la dette de beaucoup de paysans du fait de l'obligation à s'équiper, à faire dans le productivisme. Et il s'est aussi opposé au populisme de Dorgère et de ses chemises vertes qui a triomphé au moment de Pétain. Bon, malheureusement, ce qui a gagné, c'est le fameux miracle breton. Aujourd'hui, avec les tourteaux de soja non spécifiés, s'ils sont transgéniques ou pas, ce qui veut déjà tout dire, qui arrivent dans le port de Lorient pour nourrir les porcs. Et ensuite, les conteneurs de graisse de porc, de porc en morceaux congelés, de lait en poudre à destination de l'Asie ou de volaille à destination du Moyen-Orient, où en fait, le modèle, c'est l'exportation à tout craint et une guerre commerciale actuellement arbitrée par des épizooties, des zoonoses et des pandémies telles la grippe aviaire, la peste porcine et maintenant la COVID-19. Donc, on voit que si on avait écouté François Tanguy Prigent, probablement qu'il y aurait moins de dettes paysannes et moins de spéculation sur le cours des matières premières. Un autre exemple très instructif qui a été étudié par Marc Schneeberg, c'est le cas de cette confédération de coopératives aux États-Unis dans tous les États, mais plus particulièrement dans le Midwest et dans plutôt le sud des États-Unis et au Texas. Cette confédération s'appelait The Grange. C'était aussi un mouvement social, un mouvement agrarien
qui s'est développée sous la forme d'un réseau de coopératives comme alternative à la montée en puissance des grandes corporations. Il a été largement oublié puisque, en fait, il s'est développé entre 1870 et 1920. Mais c'était un réseau qui était vraiment d'origine populaire, qu'on peut qualifier d'ailleurs de populiste, qui diffusait des pratiques et des savoir-faire dans tous les États américains et aussi dans des domaines différents, c'est-à-dire le grain, le blé, le lait et un réseau de 3 000 mutuelles et assurances, puisque l'assurance mutuelle, c'est quand même le nerf de la guerre pour permettre à chaque coopérateur de subsister. Vous savez que pour entrer dans une coopérative, ce qui est toujours difficile, c'est de pouvoir être sûr de contribuer, donc de mettre au pot. Et on a encore aujourd'hui hérité aux États-Unis d'un bienfait de ce que cette coopérative a réussi à créer, c'est-à-dire qu'il y a eu une organisation de la production du beurre, du fromage et de la vente de lait qui permettait aux producteurs de bénéficier de la marge faite sur les produits transformés comme sur la vente du lait comme matière première. Ce qui n'est pas le cas en France, et ça permettrait à beaucoup de producteurs de lait de mieux gagner leur vie. Donc, le modèle, c'était un principe de libre adhésion avec des bénéfices mutuels pour l'association des consommateurs et des producteurs qui conservaient la propriété collective, ça c'est très important, et géraient ensemble la maîtrise des risques, donc mutuelles et assurances. Et ça s'était donc développé dans des endroits, on peut voir aujourd'hui, où ça a disparu et on trouve actuellement les plus fermes soutiens du président Trump dans ces fameuses, dans le Midwest, au Texas, enfin, dans ces endroits où finalement on se demande s'il n'y a pas eu une grande déperdition des solidarités sur ces territoires depuis cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'a fait le mouvement social d'un point de vue concret, pratico-pratique ? Ben, il a permis de proposer des codifications, de transposer et de diffuser avec des débats, notamment par le biais de journaux, de manifestes et de mobilisations qui ensuite ont pu créer des institutions et amplifier l'adhésion des membres par des formes de syndicalisation. Il faut voir que c'était vraiment un combat politique dans la mesure où les coopératives faisaient face à la concurrence, mais aussi à de violentes campagnes de propagande de la part des corporations, des grands groupes, un peu comme aujourd'hui le référendum qui a été organisé en Californie et remporté par Uber et consorts, qui ont déboursé 200 millions de dollars, c'est-à-dire 628 254 dollars par jour pour obtenir le droit de définir eux-mêmes leur propre code du travail avec l'aide de sociétés de relations publiques qui travaillaient avant pour le Big Tobacco. Donc, rien n'a réellement changé. Ça va leur permettre de ne pas garantir d'assurance chômage ni de sécurité sociale puisque vous savez qu'aux États-Unis, ces droits sont garantis par l'employeur. Donc, on voit que c'est un combat frontal sur à la fois les pratiques, mais aussi les idées et la capacité d'instruire les personnes sur ce qui est mieux de faire. Là, malheureusement, on n'a pas le sentiment que la presse a réellement pu jouer son rôle d'information et que les citoyens ont pu prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, comme hier, aux États-Unis comme en France, on constate qu'il y a une forme de neutralité assez critiquable de la part des décideurs politiques qui laissent en théorie les gens décider, mais en fait laissent les gens un peu à eux-mêmes. Et c'est là où en fait je trouve particulièrement enthousiasmante et importante la création d'une coopérative qui s'appelle la COP de Masques à Grasse. C'était sur une proposition d'un syndicaliste de Solidaire, Serge Lequeot, et de René Loye, qui est un écologiste bien connu en Bretagne, qui ont tous les deux vu fermer l'usine de masques de Plaintel à la suite d'une commande d'État qui n'avait pas été honorée. Cette usine avait été rachetée par le groupe Honeywell qui a décidé de s'en débarrasser. Et quand en fait on a raconté à Serge Lequeot et à René Loye que les gens à Plaintel voyaient passer depuis leurs fenêtres les chaînes de montage qui partaient pour la décharge et qui voyaient disparaître leurs emplois comme ça, ils se sont décidés à faire appel à quelqu'un qui avait été très actif
pour défendre les coopératives, Guy Ascoët, qui était un ancien secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire du gouvernement Jospin, c'était entre 2000 et 2002, et qui a créé une SIC, qui a monté ça à titre bénévole, en plus avec sa femme, avec très très peu de moyens, en démarchant tout le monde, en faisant jouer son réseau. Donc une SIC, pour ceux qui connaissent pas en droit français, c'est une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire une coopérative de production qui est régie par le titre 2 ter de la loi 47-1775. Et sa spécificité, c'est qu'elle a un sociétariat obligatoirement multiple, c'est-à-dire qu'il y a en fait le collège des coopérateurs. Moi, je suis coopérateur, j'en fais partie, j'ai acheté des parts. Il y a des acteurs publics et des acteurs privés qui sont également représentés au conseil d'administration. Donc, j'ai assisté à la première AGO, enfin, le 10 octobre à Guingamp, au stade de Roudourou. Alors, j'étais particulièrement contente parce que Grasse est juste à côté de Guingamp et moi, j'ai grandi à Guingamp, ma famille est de Guingamp. Donc, j'étais très, très fière de ça. Et on aura un deuxième CA le 16 décembre, qui réunira à nouveau les sociétaires, les collectivités et les acteurs associatifs privés. Bon, c'est beaucoup des mutuelles. On y trouve, par exemple, la sauvegarde de l'enfance aussi. Alors, bon, aujourd'hui, on est 1390 coopérateurs. J'espère qu'on sera beaucoup plus demain. Il y a déjà 1 million d'euros au capital. Et dès décembre, on pourra admirer des machines Medblown qui sont arrivées depuis le nord de la France. Et le DG Patrick Guiminot et les 10 ou 12 premiers employés pourront nous raconter comment ils ont commencé le travail. Donc, je pense que c'est une histoire qui renverse quelque chose de réellement tragique, qui était la disparition d'une activité en Centre-Bretagne, là où justement l'agro-industrie bénéficie d'une certaine façon de l'absence d'autres activités industrielles pour mettre la pression et imposer ses lois. Donc, je trouve que là, c'est très important. Enfin, en tout cas, c'est le rôle que moi, je me donne, de réussir à faire le lien entre dans ce secteur du sanitaire et du social, la production de masques, les mutuelles et les assurances, les collectivités territoriales, le soutien de la région et du département ont été absolument essentiels, et puis d'autres acteurs qui travaillent aussi en coopérative, en circuit court, qui sont présents comme les CIVAM, les AMAP aussi, qui sont plus dans l'agriculture et le bio, de façon à faire fructifier des alliances et des partenariats et surtout de créer des patrimoines productifs locaux. Ça, c'est vraiment l'enjeu sur lequel on travaille dans mon laboratoire, le laboratoire Regard à Reims, les patrimoines productifs locaux et la défense d'une approche de la bioéconomie qui permette de faire face aux défis qui sont actuellement vraiment très inquiétants liés au changement climatique. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va prolonger la discussion tous ensemble et n'hésitez pas à poser des questions. Oui, alors j'ai plein de questions, mais je vais effectivement essayer de reprendre quand même quelques questions des internautes. Alors, première question, la commande publique alimentaire 100% locale pourrait représenter quel volume d'activité pour nos paysans? Autrement dit, en gros, pour compléter, effectivement, on a beaucoup de développement d'AMAP depuis une quinzaine d'années, etc. Mais on voit bien que c'est largement insuffisant par rapport aux enjeux et aussi par rapport à ce que peuvent produire les paysans. Et du coup, le poids des institutions locales, des mairies, des municipalités, des conseils régionaux, comment est-ce qu'on travaille ça pour avoir justement des commandes publiques? Et pour justement déjà là où les enjeux sont posés, enfin sont contrôlés par la puissance publique, les cantines scolaires ou autres types de collectivités, comment est-ce que ces questions-là sont travaillées par exemple la Confédération paysanne ou par d'autres réseaux militants? Ouais,
Nicolas, peut-être, oui. Avec le micro. Déjà, sur la commande publique alimentaire locale, on a déjà un problème. C'est le code des marchés publics et la concurrence européenne qui impose un certain dogme et qui empêche à se référer au local. C'est-à-dire que dans la dernière loi agriculture alimentation, il y avait la volonté de mettre un peu du bio et du local dans les cantines scolaires et dans la restauration collective de manière globale. Pour le faire, on peut pas le faire comme ça. On peut pas le faire en mettant du local. On peut le faire en s'arrangeant un peu avec le code des marchés publics parce qu'aujourd'hui la référence au local est impossible. Donc on peut arriver à saucissonner les appels d'offres pour arriver à favoriser par ce biais-là une agriculture relocalisée ou une transformation relocalisée, mais on peut pas rentrer de facto dans cet angle-là tant qu'on n'aura pas revu ce droit à la concurrence européenne et ce code des marchés publics. Moi sur mon territoire là, dans le Jura, il y a une agglomération, la préfecture du Jura, Lons-le-Saunier, qui a été assez pionnière sur cet enjeu-là d'une alimentation relocalisée dans la cantine municipale. En fait, ils sont partis d'une politique de l'eau sur leur territoire. Il fallait, il y avait la volonté d'assainir l'accès à l'eau localement. Donc, ils ont incité les paysans de leur secteur à passer en bio sur la zone de captage. Ensuite, pour arriver à valoriser cette agriculture bio et locale, ils ont remonté une conserverie localement et une cantine municipale, mais quelque part ils sont désobéissants par rapport au code des marchés publics parce qu'ils respectent pas et exactement à la ligne la manière de faire sur cette commande publique. Donc là encore, comme je pouvais le dire tout à l'heure sur la relocalisation, cet enjeu-là, ça nécessite des décisions politiques, pour le coup européennes, mais qui peuvent être portées par la France, de révision du droit de la concurrence et du code des marchés publics. Ce à quoi, d'ailleurs, Emmanuel Macron s'était engagé au début des États généraux de l'alimentation. Il nous avait dit très clairement qu'il allait travailler à réviser le droit de la concurrence européen. Chose qui n'a pas été du tout faite et qui n'est pas du tout dans les tuyaux. Ok. Peut-être deuxième question. Moi, il me semble que dans tout. Si je pouvais juste dire un petit mot, Vincent. Oui, je voulais dire que, alors, une chose que sur laquelle, en fait, à propos de la COP de masques, mais bah, l'approvisionnement en masques qui ne viennent pas de Chine, mais qui viennent de France. Donc, je pense que c'est la même chose pour toute forme de commande publique. En fait, Guy Asquet précisait qu'une chose absolument centrale pour que les coopératives comme la sienne puissent, enfin comme la nôtre, puissent marcher, c'est que justement il y ait dans le code des marchés publics, on favorise non pas le moins-disant, mais le mieux-disant. Et le mieux-disant, ça suppose de rédiger un cahier des charges spécifique. Donc, qui permettent en quelque sorte de tenir compte de certaines régulations, c'est peut-être ce à quoi faisait référence Nicolas, ça pourrait être généralisé, je pense. Après, il y a peut-être dans la question quelque chose d'autre qui est-ce que actuellement on serait capable d'être en complète autonomie alimentaire sur tous les produits, point de vue volume? Et ça, c'est une autre question. Je ne serais pas capable de répondre. Je dirais qu'avec, en Bretagne, avec la spécialisation régionale, il y a un problème qui est effectivement, le territoire produit en masse du porc, de la volaille et aussi du lait, et pas le reste, quoi. Donc, d'un point de vue territorial, c'est sûr que c'est dirigé vers l'export, quoi, actuellement.
Mais ça, effectivement, je crois que cette, il faudrait sans doute refaire ou faire, sans doute des historiens l'ont déjà fait, mais l'histoire des spécialisations productives de chaque région, parce qu'on voit ça, c'est exactement le même problème sur la question agricole que sur la question industrielle, c'est qu'on a effectivement construit des régions spécialisées, alors soit monoculture, soit mono-industrie, et dès qu'il y a, alors, dans la question de l'industrie, dès qu'il y a une crise dans une filière, c'est toute la région qui s'effondre. Hein. On a vu ça avec le tissu dans le nord, les mines, la sidérurgie dans l'est. Bon, c'est un grand classique de l'histoire du capitalisme et c'est quand même gravissime parce que ça conduit à des catastrophes sociales énormes. Mais effectivement, la question, elle est de même nature dans pour la question agricole sur les effets et du coup les espèces de blocages que cette capacité de, enfin, cette mise en place de politique quasiment de monoculture, a créé comme justement dépendance à des marchés globalisés, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, ma question, c'est, comment est-ce qu'on peut penser ça au-delà de, effectivement, ce que vous avez mentionné? Est-ce que votre réflexion, c'est sur, en gros, des formes d'autonomie régionale qui seraient quasiment autosuffisante pour énormément de production, ce qui semble compliqué aujourd'hui à imaginer, ou bon, bien sûr, il y a la permanence quand même d'un certain nombre d'échanges, donc, mais en même temps avec la nécessité de les réduire. Donc, comment est-ce qu'on peut penser à ça? Qui veut... Vas-y, Hélène, ouais. Je me permets de réagir brièvement. Bah, alors, je ne sais pas encore aujourd'hui comment on peut, mais bon, je vois que, enfin, Nicolas en parlait. Il y a, en tout cas, en Bretagne, beaucoup de jeunes qui cherchent à s'installer. D'ailleurs, soutenus par des associations comme France Terre de Liens. Ou, alors, c'est plus difficile en Champagne-Ardenne, évidemment, mais enfin, en Bretagne, ça a l'air possible. Qui cherchent pas forcément à avoir des grandes terres ou à faire de la monoculture, justement. Et je pense qu'il faut absolument les soutenir parce qu'on ne sait pas encore quoi faire. Mais par contre, on sait que ce qui existe, notamment dans le cas de la Bretagne, c'est des pollutions qui sont insoutenables. Et en plus, c'est des externalités négatives qui sont assumées par les citoyens qui sont sur le principe du pollueur-payeur, quoi. C'est-à-dire que pour l'assainissement des eaux, c'est quand même sur fonds publics que c'est assuré et c'est assuré de manière discutable, quoi. Donc, je pense qu'on ne sait pas effectivement comment on peut redonner de l'autonomie alimentaire sur des territoires, régionaux ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on sait que là, actuellement, la façon dont ça fonctionne, il va falloir que ça change et très vite. Il va falloir très clairement bon, répondre rapidement, sortir de cette spécialisation des régions. On a voulu faire un peu la même chose que ce qui a été tenté, j'allais dire, sur le commerce mondial, avec l'idée des avantages comparatifs, se dire que la Bretagne pouvait accueillir la totalité de l'élevage parce que le climat le permettait, et on allait mettre tous les élevages là-bas, on allait importer le soja d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, alors après, tout le monde semble à peu près d'accord que bon, faut peut-être se calmer un petit peu sur le soja d'Amérique du Sud, mais pour autant, le modèle breton, il n'est pas remis en cause. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ben, on va plus importer d'Amérique du Sud, mais on va demander à la région Nouvelle-Aquitaine, à la région Centre, de produire massivement les tourteaux pour les porcs et les volailles bretonnes. Non, à un moment donné, il faut remettre de l'élevage dans les zones céréalières, il faut remettre de l'autonomie céréalière et protéique sur les zones d'élevage et sur les fermes spécialisées en élevage. Il faut retrouver des filières de qualité qui génèrent de la valeur. Je suis désolé, je vais reparler encore de notre exemple en filière sous signe de qualité dans le Jura, mais on arrive à générer de la valeur. Moi, par exemple, je fais pas de céréales, on est en zone de montagne. Pour autant, les céréales, il y a des circuits qui commencent à se monter avec la Bourgogne toute proche, qui produit sur des fermes diversifiées des tourteaux de soja, des tourteaux de colza, qui nous permettent d'alimenter des animaux proches de ces zones-là, qui permettent également, avec la valeur que génèrent ces différentes filières,
que la valeur qui est générée sur la filière comté ne serve pas uniquement que les producteurs en la comté, mais qu'elle serve également ces territoires-là. Enfin, voilà, on a des choses à imaginer pour sortir de cette spécialisation bête et méchante, et puis retrouver de la diversification, parce que la diversification, elle peut se faire à l'échelle des fermes, elle peut se faire à l'échelle des territoires. On n'est pas obligé d'avoir sur toutes les fermes 4, 5 ou 10 productions, mais en tout cas, à l'échelle des territoires, la polyculture élevage, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus massivement mis en avant. Florence? Oui, moi, peut-être pour faire écho à ce qui vient d'être discuté, en fait, la question m'évoquait une problématique qu'on avait dans la région de Montpellier autour du BTP. Et c'est une stratégie de la Confédération des. La CAPEB, donc c'est les petites entreprises qui essayaient. Qui défendaient l'idée de. Enfin, comment garder une économie locale et sauver les petites entreprises et les emplois de ce secteur-là face à la concurrence, en fait, d'entreprises qui se crée de manière complètement fictive, en fait, une entité juridique fictive qui se crée pour répondre aux appels d'offres publics et qui va après employer des main-d'œuvre de travailleurs détachés. Et face à ça, la contre-stratégie qui était prônée, c'était de se positionner sur des créneaux de transformation, enfin vers du bâtiment plus soutenable au niveau énergétique. Et donc, ça supposait aussi toute une transformation des savoir-faire des PME de la région pour pouvoir se positionner là-dessus et faire levier pour que les acteurs publics locaux privilégient, alors non pas le local qui se heurte un peu de manière frontale aux principes de concurrence qui sont établis dans le droit européen, mais au moins en termes de mieux-disant, justement, d'aller sur des critères socio-environnementaux. Qui fasse que l'offre se différencie. Et c'est clair que, ben moi, par rapport à d'autres terrains de recherche très différents, d'avoir pu observer les dynamiques de transformation sociale, c'est vrai qu'il y a besoin d'acteurs porteurs de changement qui fassent alliance de manière ou d'une autre entre les sphères de l'entreprise, l'acteur public et la société civile. Et en fait, c'est sur un autre terrain qui est très différent, qui est celui du procès de la crise sociale à France Télécom, qui quand même a marqué, a obtenu, enfin, a permis de générer des changements en termes de jurisprudence qui seront significatifs, hein, sur la responsabilité de l'employeur, sur la question de la souffrance au travail. C'est parce qu'il y a eu des acteurs mobilisés en fait dans ces trois sphères que, à un moment donné, l'effet de levier a pu fonctionner. Et ça, en termes de Ça rejoint un peu ce qu'a fait Éthique sur l'étiquette pour pousser à la loi sur le devoir de vigilance des multinationales en France. C'est-à-dire comment donc des acteurs de mouvement de la société civile qui vont construire des alliances avec des acteurs dans le politique et la puissance d'État. Et là, quand on est sur les alternatives, il y a vraiment aussi des entreprises qui rentrent dans la boucle aussi. Voilà. Mais justement, là, je crois qu'on touche une question essentielle un peu qui croise tout ce que vous avez dit tous les trois, c'est la question des alliances et des acteurs possibles. Parce que on voit effectivement, je crois que c'était Nicolas qui parlait de ça, bon, des formes de consommation, on va dire un peu alternative, un peu responsable, comme on dit, qui sont parfois le fait de classe moyenne progressiste, hein. Bon, c'est très bien. On a le développement des AMAP a permis effectivement de réfléchir à la façon dont on pense le rapport entre la production et la consommation. Bon, mais en même temps, on voit bien que ça touche vite ses limites, ses limites. Et justement, dans quelle mesure il faudrait pas justement organiser, hein, des consommateurs en tant que aussi force mouvement social et lié justement aux sphères de productives, hein. Il y a des histoires, par exemple, il y a un livre là, qui est sorti l'an dernier sur la question des besoins et qui raconte en partie ces histoires-là où justement les organisations de consommateurs étaient beaucoup plus liées au mouvement syndical, au mouvement ouvrier, au mouvement progressiste que ça ne l'est aujourd'hui comme
essentiellement une espèce de lobby, de choses d'information pour mieux consommer, quoi. Et je crois qu'il faut peut-être sortir de ce mode d'ordre de mieux consommer parce qu'il est aussi piégeant en étant extrêmement individualisant. Hein, c'est pas mieux consommer en tant que tel, c'est que la consommation contribue à former d'une certaine façon les marchés et que si on veut transformer les marchés, il faut effectivement transformer les modes de consommation et de production. Et donc, pour reprendre un peu le cas de la coopérative, comment cette question-là elle est portée? Est-ce que justement le rapport avec les salariés ou les possibles futurs salariés elle existe dans l'expérience de Plaintel? Et puis peut-être si vous avez d'autres exemples en tête sur ces enjeux-là, ça me semble intéressant d'en parler. Donc je commence, oui. Je dois dire qu'il y a eu un effort par rapport à Plaintel sur le recrutement des salariés pour essayer justement de pas choisir d'emblée, d'avoir une approche déjà socialement engagée par rapport au recrutement des personnes qui allaient travailler localement là. Sachant qu'il y a des problèmes de chômage partout, mais en Centre-Bretagne, il y en a quand même pas mal, et qu'il pouvait y avoir aussi un engagement à avoir par rapport au bassin d'emploi localement. Il y avait aussi une forme d'héritage qui était revendiquée, parce qu'il se trouve que dans l'endroit où la coopérative est en train d'être reconstruite, c'était un lieu où il y avait eu un syndicat déjà à l'époque coopérative de métiers un peu techniques, c'était cet héritage là aussi du lieu qui était marquant. Je pense que le fait d'avoir fait appel à un nombre très très important de coopérateurs, ça permet en fait de transformer des rôles qui actuellement sont un peu en silo. C'est-à-dire que je me dis, plus on peut rapprocher les producteurs des consommateurs, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est toujours à la fois les deux, plus la solidarité est possible. Si on a effectivement, la COVID a transformé les choses, on voit que en très très peu de temps, l'économie des services qui s'était développée au cours des dernières décennies se recroqueville complètement et que du coup l'épargne des ménages, des gens, elle passe dans l'achat de biens justement. Donc c'est un changement assez important, assez impressionnant en termes de sur ces derniers mois. Mais je pense que ça nous oblige à réfléchir effectivement à tous ces gens qui travaillent dans les services et dans les villes par rapport au monde rural ou à des zones destinées à la production industrielle exclusive. Ça a tendance à isoler des producteurs et des consommateurs, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Et le modèle coopératif permet justement de faire bouger ces frontières et aussi d'avoir des décisions démocratiques qui se rapprochent au maximum des coopérateurs consommateurs. D'une certaine façon, non seulement ça responsabilise, mais acheter quelque chose au supermarché en lisant un logo, c'est pas forcément, tout le monde a l'air de s'esbaudir, trouver ça merveilleux, d'avoir aussi des renseignements sur son portable en allant voir sur des sites et tout ça. Je sais pas si c'est pas plus important, en fait, d'apprendre des choses. D'apprendre en étant coopérateur plutôt que d'apprendre en étant juste dans ce rôle finalement très, très pauvre et très limité de consommateur. Mais c'est un point de vue peut-être plus personnel, c'est quelque chose à quoi je réfléchis en ce moment, mais en vivant l'expérience justement. Et croyez-moi, en fait, on se rend compte, c'est déjà des choses que j'avais observées en faisant des terrains avant sur par exemple la boulangerie de Montreuil, il y a un modèle souvent évoqué où la coopérative de BTP de la CNT, on voit à quel point être coopérateur, appartenir à une coopérative, c'est lourd en termes de temps et d'implication.
C'est aussi quelque chose à réfléchir. C'est un vrai engagement en termes de temps et d'attention. Je veux bien rajouter un mot. Ce que tu disais, Vincent, me rapportait pas, j'allais dire, à la coopération forcément, mais me rapportait à l'enjeu de démocratie alimentaire. Comment est-ce que on fait vivre cette démocratie alimentaire? Et nous, on est en train de travailler avec d'autres organisations à une sécurité sociale de l'alimentation. Comment est-ce que on ouvre une nouvelle branche à la sécurité sociale plutôt que de continuer à détricoter, on lui redonne de l'ambition, une branche alimentaire qui serait basée sur plusieurs principes à peu près les mêmes que ce qui existe actuellement dans la sécurité sociale de la santé, c'est-à-dire un principe de cotisation. Mes cotisations qui seraient progressives avec en fonction des revenus une partie de la population qui serait plutôt entre ce qu'elle cotiserait et ce qu'elle retoucherait qui gagnerait, une partie qui serait neutre et une partie qui serait plus cotisante, une universalité du droit autour de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire que tout le monde serait doté, peu importe du revenu, mais tout le monde serait doté. Pour l'instant, ce qu'on imagine, c'est 150 euros par personne ou par ménage pour un accès à une alimentation. Et cette alimentation serait choisie et conventionnée par des caisses locales de l'alimentation où les citoyens, les paysans, les élus travailleraient à qui est-ce qu'on conventionne pour ces caisses locales d'alimentation. Est-ce qu'on conventionne que des paysans en bio au circuit court? Est-ce qu'on conventionne de la grande distribution? Est-ce qu'on conventionne une transformation, etc.? Enfin, se dire que ne pas rentrer de prime abord, de dire que cette sécurité sociale de l'alimentation ne serait que fournie par une alimentation bio et locale, mais laisser justement cette démocratie alimentaire faire son chemin, faire son choix au travers de ces caisses locales alimentaires qui, elles, orienteraient à partir de leur demande, orienterait l'offre en termes de conventionnement. Les paysans ne seraient pas obligés de conventionner, ne seraient pas obligés de passer par là. On continuerait à avoir un autre marché alimentaire qui serait, j'allais dire, normal ou comme il existe actuellement. Mais cette partie sous conventionnement permettrait de gérer l'offre à partir de la demande et à partir de la demande citoyenne, de la demande alimentaire. Donc c'est un peu une révolution de pensée et une révolution intellectuelle à faire. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille avec Ingénieurs sans frontières, avec les CIVAM, parce que il nous semble que c'est un enjeu pour les paysans, un enjeu pour les territoires, un enjeu de santé publique et un enjeu d'accès à l'alimentation pour tous. Florence, sur cette question de comment penser justement les alliances, tout à l'heure tu as évoqué un petit peu justement comment cette question des solidarités, elle interrogeait nécessairement les acteurs au nord et au sud, entre justement les salariés, les syndicalistes, les ONG. Est-ce que t'as quelque chose un peu à rajouter ou à approfondir sur cet enjeu-là? Oui, bah c'est ce que tu disais justement, enfin cette question de mobiliser les consommateurs, ça me faisait penser à ça faisait écho à deux aspects de ce que j'ai pu observer. C'est vrai que dans les mouvements transnationaux là sur les chaînes globales de valeur, ça a vraiment émergé par coalition de tout un ensemble très très divers d'acteurs. Il y a eu des mouvements étudiants, des associations de consommateurs, le commerce équitable, les syndicats salariés, les mouvements d'aide au développement. Et en fait, ils ont pu converger autour de la défense, enfin sur les luttes contre la dégradation des conditions de travail dans les ateliers de production, notamment dans le vêtement, pour le secteur que j'ai plus regardé. Et c'est vrai que c'est quand même des mouvements qui ont eu un impact, qui ont vraiment compté, qui continuent de compter dans le paysage. Et il y a eu cet effet catalyseur d'une grosse diversité.
Et on va le retrouver aussi sur des luttes locales, par exemple le mouvement de résistance à la fermeture d'un site de Nestlé près de Marseille qu'on avait étudié à Saint-Menet. En fait, les salariés racontaient que comme Nestlé organisait des visites des écoles de l'usine qui fabriquait du chocolat, et ils disaient après, quand ils défendaient l'usine, ils avaient les CRS en face d'eux, ils avaient tous trempé leurs doigts dans le chocolat quand ils étaient gamins. Et donc, il y avait dans la vallée, en fait, une identification, un rapport, en fait, à l'usine, qui était aussi à travers le produit, la consommation. Et il y a tout un collectif dans la vallée qui s'est monté pour défendre, en fait, à travers les emplois, c'était vivre et travailler chez nous. Donc, il y avait toute une philosophie qui était portée. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux stratégies qu'on discute ce soir, il y a certainement des gisements de potentialité importants à exploiter sur comment on arrive à vraiment mettre en lien différents acteurs pour porter ces renouvellements, ces stratégies de renouvellement des territoires. Et par rapport à ça, il me semble qu'il y a un enjeu important autour de la fragmentation, c'est-à-dire sur les territoires aujourd'hui. On a certaines parties qui sont complètement enclavées, qui sont dans les filières mondialisées. Et je pense en particulier au maire qui travaillait dans l'arrière-pays sur le développement d'initiatives collectives comme ça. Il disait, ben, quand on essaye de rallier dans le mouvement un site qui fabrique à partir de composants importés et pour l'exportation, c'est très difficile. Et donc, le fait que les chaînes globales de valeur aujourd'hui sont encastrées aussi dans les territoires, c'est un des obstacles stratégiquement aussi à penser sur comment on va rassembler les acteurs sur ce territoire en contournant ces fragmentations pour obtenir un effet de levier plus important. Merci. Alors, on s'approche très rapidement de la fin. On a pu dessiner un peu quelques éléments qui sont à la fois des éléments d'analyse, de proposition, mais aussi des éléments de stratégie, à la fois donc sur qu'est-ce qu'il faut bloquer, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, les accords de libre-échange, un certain nombre de réglementations européennes et nationales, la nécessité effectivement de pas attendre non plus des déblocages institutionnels pour lancer des projets, même avec toutes leurs limites, et puis effectivement la question des alliances entre différents secteurs de la société, entre des mouvements sociaux, des collectivités, entre des consommateurs et des producteurs. Et je crois que c'est, voilà, autour de ces quelques lignes de conclusion qu'on doit essayer d'avancer. Si vous le souhaitez, je vous laisse une minute peut-être ou deux de conclusion, peut-être sur l'actualité de ce dont vous avez évoqué, ou sur une suggestion de lecture, de vidéo, ou sur une information plus précise sur, si on veut devenir sociétaire, de la coopérative des masques. Voilà. Donc, une ou deux minutes et après on s'arrêtera là. Hélène? Alors, pour se joindre à la COP de masque, c'est aucun problème. Vous allez sur le site COP de masque, alors COOP de masque. Vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche, de préférence logiciel libre, bien sûr, et vous pouvez immédiatement devenir sociétaire pour un prix que je ne dévoilerai pas, mais qui est très modique. Et comme ça, vous pouvez assister à toutes les assemblées générales et vous pouvez donner votre avis et faire des propositions sur la direction qui va être prise. Et du coup, c'est un modèle réellement coopératif et pluraliste qui est au service de l'avenir et des défis qui se présentent à nous. Et je pense à ça, notamment quand je vois dans quelles contradictions se débattent des groupes comme Danone. Le PDG de Danone avait été cité partout parce qu'il avait fait un grand discours où il disait qu'il fallait s'engager dans le développement durable, à HEC, etc. Il a été cité partout en disant qu'ils allaient faire mentir Milton Friedman. Et aujourd'hui, il est aux prises avec ses contradictions. Ses investisseurs l'obligent à licencier 400 personnes en France. Ses chaînes de valeur globales, il est obligé de les rationaliser en faisant un plan d'économie à 1 milliard d'euros. Donc, voilà, devenez coopérateur à la COP de masse, vous aurez probablement plus de pouvoir sur ce qui s'y passe que Emmanuel Faber à la tête de Danone. Nicolas ?
un mot de conclusion, si tu le souhaites. Ouais, un mot de conclusion rapidement. Moi, j'allais dire, on a besoin de plus de paysannes et de paysans. Donc, les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui ont des vocations, a priori, le confinement a fait naître un peu des vocations. On a vu que, enfin, nous, on a essayé de communiquer sur le fait que le métier de paysan est d'utilité publique par rapport à cet enjeu alimentaire, par rapport à l'enjeu de dynamique territoriale et également par rapport à l'enjeu sanitaire et de biodiversité. On se rend compte que plus on aura de paysans, plus on sera en capacité de faire une agriculture paysanne, biologique, durable et soutenable, et plus on sera en capacité de moins impacter le climat, de moins mettre à mal la biodiversité. Et on voit que la multiplication des épisodes sanitaires qu'on vit sur l'agriculture, mais également actuellement avec la Covid, sont pas complètement éloignés d'une agriculture qui s'est industrialisée, d'une agriculture qui s'est mondialisée. Donc l'enjeu devenir paysan, c'est un enjeu pour soi, c'est un enjeu pour retrouver du sens, c'est un enjeu pour nourrir la population de qualité, c'est un enjeu pour continuer à faire vivre une planète de manière soutenable et durable. Florence, pardon, un petit Très rapidement, moi, juste pour aller plus loin dans ce que ça intéresserait, il y a des sites internet des deux initiatives que j'ai pu évoquer. Donc, Repenser les filières, c'est Rethinking Value Chain. Donc, c'est en français, en anglais. Et il y a aussi des études de filières, soit des filières locales ou nationales ou internationales, avec des réflexions sur leur coût social, environnemental et des propositions de politique pour, notamment en écho à ce que Nicolas évoquait sur la captation de la valeur et le partage de la valeur dans les filières. Et après, un site qui est plus en anglais sur les ressources, mais Responsible Global Value Chain, ce qu'on a monté, qui regroupe des universitaires et puis des membres d'ONG pour partager des ressources et des études sur ces questions sociales, environnementales dans les filières mondialisées. Très bien, ben merci. On va se quitter là. Juste une dernière info. Donc, les prochaines sessions de débat en ligne sont consacrées aussi à un gros morceau de ce qui nous préoccupe, c'est la question énergétique. Donc, la prochaine séance normalement aura lieu le 15 décembre avec un débat autour des scénarios d'alternatives énergétiques et notamment autour du scénario négawatt, et puis une autre séance qui aura lieu autour du 15 janvier sur les politiques énergétiques dans des grosses entreprises et en particulier les mesures annoncées par EDF autour du projet Hercule et donc de séparation des activités, quels enjeux sociaux et environnementaux ça a pour nous. Donc deux prochaines séances sur les questions de l'énergie. Merci à tous et toutes, merci à nos intervenants et à très bientôt sur le site d'Attaque et sur la page Facebook. Et merci à toi et à vous. Merci beaucoup.